السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Parmi les faits avérés, les réalités transmises et enseignées, le fait que le foyer soit le noyau de la société. Le foyer, qui se constitue de l'époux et de l'épouse, par la suite bien souvent d'enfants, est la cellule première et le noyau de la société. Ce point est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son noble livre, Al-Qur'an Al-Azim. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa tradition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé pour vous, de vous, des épouses, afin que vous viviez auprès d'elles en toute tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Inna fi dhalika la aya liqawmi yatafakkaru. Il y a en cela la ayati liqawmi yatafakkaru, des signes pour des gens qui méditent, qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandement encouragé les jeunes au mariage en disant, Ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a la capacité qu'il se marie, فَإِنَّهُ أَرَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car ça sera plus prompt à ce qu'il baisse son regard et préserve sa chasteté. Le mariage en islam est donc une tradition prophétique. C'est la sunna des prophètes. C'est la sunna des messagers. C'est la voie empruntée par les compagnons et ceux qui les ont suivis après eux. Et cette union, pour qu'elle soit pérenne, qu'elle soit saine et qu'elle donne les meilleurs fruits, il faut qu'elle repose sur des bases solides, des bases saines et sincères, à savoir la noble intention, puis les droits et les devoirs. Il incombe à chaque personne s'apprêtant ou s'engageant dans le mariage d'étudier en premier lieu ses devoirs envers son épouse, les droits de son épouse sur lui. Et certes, la religion d'Allah Azza wa Jal est la religion de la perfection. Ainsi, Allah Azza wa Jal a accordé à chacun ses droits et a orienté chacun vers ses devoirs. Et l'homme noble, ar-rajul al-karim, c'est-à-dire celui qui est doté de nobles qualités, qui cherche à les parfaire, à les développer, celui qui cherche quotidiennement des mauvaises à s'en défaire et à s'en libérer, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de le rencontrer en ayant abandonné sa responsabilité.
Il a peur de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala sans s'être acquitté de ce qu'il lui avait commandé. C'est pour cela qu'il n'ouvre pas cette porte du mariage, si ce n'est après avoir étudié ses devoirs envers cette épouse. Na'am, bien plus que ses droits sur elle. Et à travers cette relation, la relation conjugale, apparaîtra la réalité du comportement de l'homme. Si tu veux savoir la réalité du comportement de l'homme à son état naturel, sans effort démesuré, sans rechercher la moindre ostentation, la moindre éloge, tu apercevras cela dans le foyer. Tu apercevras cela dans le foyer. Pas de temps à autre, mais la situation, l'état, le comportement qu'il a au quotidien. Et plus son comportement, son caractère est bon envers son épouse, plus sa foi est complète, plus il se rapproche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quoi de mieux pour traiter ce sujet, le comportement de l'homme noble envers son épouse, que de traiter de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, celui qu'Allah azza wa jalla a choisi et a élu pour en faire le meilleur de l'humanité, le meilleur des prophètes, le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son noble livre, « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » Il nous dit également, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » dans le Coran, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Et parmi les mondes, la femme, l'épouse. Un messager vous est venu, issu des vôtres, c'est-à-dire vous le connaissez. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est envers vous plein de sollicitude, de compassion, de miséricorde. Ainsi, celui qui veut savoir où il en est dans son comportement avec son épouse, qu'il ne se base pas sur comment est le voisin, qu'il ne se base pas sur comment étaient les anciens, qu'il ne se base pas sur comment sont les gens de telle région ou de telle origine, qu'il regarde celui qu'Allah lui a envoyé en tant que messager et prophète. Car toutes les meilleures des qualités, chez lui, tu les trouveras. La meilleure des miséricordes, dans son comportement, tu la trouveras. Le meilleur des comportements, les meilleurs des conseils, auprès de lui, tu les trouveras. Dans sa tradition et sa biographie, tu la liras. Sallallahu alayhi wa sallam. Voyons alors comment Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement. Elle nous dit, après avoir été interrogée, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui? Kana basharan min al-bashar. C'était un homme parmi les hommes. Yafli thawba wa yahli bushata. Il s'occupait de ses vêtements. Et il s'occupait de traire sa bête. Aussi, on l'a interrogé. Ma kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fi bayti. Que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer? Elle répond, kana yakunu fi mihnati ahli. Il était au service de sa famille. Et chaque point, chaque action, chaque parole, ce qui nous est demandé, chers frères, est de la noter. Chaque action, vous le notez. Ensuite, chacun fait ses comptes entre lui et Allah Azza wa Jal. S'il trouve ce comportement en lui, qu'il remercie Allah Azza wa Jal, ça n'est que grâce à lui que c'est un homme noble de bon comportement avec son épouse. S'il trouve le contraire,
qu'il se réforme, qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jalla. Lui, qu'il s'excuse à son épouse et prenne la ferme intention de se réformer. Et prenne la ferme intention de se réformer. Et lorsqu'on mentionne les textes et les versets, le but n'est pas, comme certains disent, de tuer le temps, de passer le temps et ainsi de suite. Non, le but c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Le but c'est de se réformer. Et celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah Azza wa Jalla l'élèvera. Et il sera à l'image de la lune. Tu la vois basse par moment, tu la croirais à ton niveau, mais en réalité elle est élevée. Et il ne sera pas comme la fumée que tu vois s'élever vers le ciel, mais en réalité elle disparaît, n'a aucune valeur. Ça c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Il était au service de sa famille. Il prenait soin de sa famille. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. Dès lors que la prière arrivait, il sortait pour son accomplissement. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ses épouses? Et qu'est-ce qu'il commandait à la communauté et aux hommes de la communauté envers leurs épouses? Il disait « Istawsu bin nisa'i khayra » « Faites de bonnes recommandations aux femmes. » C'est-à-dire, on se rencontre, on se conseille cela mutuellement. Puis toi, tu vas conseiller autrui de cette chose. Et lui, il va conseiller autrui de cette chose. « Istawsu » C'est cet échange-là perpétuel. C'est cet échange-là perpétuel. C'est-à-dire, vous les hommes, faites-vous cette recommandation et perpétuez cette action. Naam, que ce soit un héritage. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Il encourageait. كان يحث على الإحسان والإكرام. Il encourageait à la noblesse de caractère, à l'excellence de comportement, à honorer l'épouse. Et Allah Azza, comme Allah nous dit dans le Coran, et c'est la base de ce sujet, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous avec elle selon le convenable. Ce qui est mentionné dans le Coran, ce qui est mentionné dans la Sunna, ce qui est dans les us et coutumes, ça c'est le convenable. Ce qui sort de cette droiture-là ne l'est pas. Ce qui rentre dans le convenable, tu dois en être doté et tu peux l'appliquer. Ce qui sort de cette délimitation, tu dois te soigner et t'en corriger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est-il pas notre exemple dans toutes nos affaires? Les gens de la sunna ne se distinguent-ils pas par cette croyance, par ce suivi, par ce suivi détaillé et subtil du prophète alayhi salatu wassalam dans sa croyance, dans ses adorations, dans son comportement et ses traditions? Bala. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Il nous dit également, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنُوا فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous proscrit, abstenez-vous-en. C'était un exemple de douceur. C'était un exemple de miséricorde. Comme l'a décrit, il était comme l'a décrit Aïcha, au service de sa famille, et il s'occupait de lui. Ça n'était pas une lourdeur pour le foyer, mais plutôt une lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait soin de ses épouses et était attentionné. On a mentionné qu'il était au service de sa famille. On a mentionné qu'il s'occupait de ses vêtements, de ses souliers. On mentionne ici qu'il était attentionné. Il était attentionné. C'est-à-dire, il prenait soin de manière subtile à donner une bonne qualité de vie à ses épouses. De manière minutieuse, à un point tel
que Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que lorsqu'ils sont rentrés de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son épouse Safiya bint Huyay. Safiya bint Huyay ibn Akhtab radiallahu anha. Savez-vous comment est-ce qu'elle montait sur sa monture et comment est-ce qu'elle en descendait? Anas ibn Malik nous dit: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. Visualisez cette image. De nos jours, certaines personnes prennent en raillerie les hommes, par exemple, qui ouvrent la portière à la femme. Hein? Ils disent lui, yani, comme si c'est un faible. Hein? Il ouvre la portière. Ils appellent cela la galanterie. Hein? Même lui, il rit. Ils appellent cela la galanterie, le plus petit de la ciserie. Donc, yani, ils pensent que c'est peut-être une déficience dans la masculinité. Ou bien que c'est honteux, ou que ça contredit les préceptes de la pudeur ou autre. Voyons comment était le prophète alayhi salat wa salam, le meilleur des hommes, le plus masculin, le plus complet, au retour de Khaïba. Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa salam, je vais essayer de traduire en français, mettait un espèce de tissu moelleux au sommet du chameau, pour que Safiya puisse s'asseoir. Vous comprenez le sens? Il veillait à son bien-être. Mais comment est-ce qu'elle montait sur la chamelle? C'est cela qui est le plus étonnant. Il se mettait devant le chameau, il tendait sa jambe et mettait son genou en évidence. Puis elle montait en posant son pied sur le genou du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir se tenir en position assise sur le chameau. Qui faisait cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est plus grand pour ouvrir une simple porte. Hein? Ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui prend soin de son épouse, il suit le comportement du prophète alayhi salat wa salam, sa foi augmente et sa perfection avec. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari et l'imam muslim, afin que tu ne t'interroges pas, mais est-ce qu'il est vraiment sahih ce hadith? Je t'ai facilité la tâche. Le numéro souhaites-tu pour t'apaiser encore plus? Naam. Tu pourras le chercher facilement, même si je l'ai sous les yeux. Aïcha radiallahu anha nous décrit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'elle était indisposée. Et lorsque la femme est indisposée, elle est sujette à certaines sautes d'humeur, à certaines fatigues. Elle ne peut prendre soin de son époux et le satisfaire comme elle le faisait à l'accoutumée. Mais voyons comment le prophète alayhi salatu wassalam lui était avec ses épouses dans cette période-là. كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فاه فيضع فاه على في او موضع في. عائشة رضي الله عنها nous dit: alors que j'étais indisposé, je buvais du récipient puis je le donnais au prophète صلى الله عليه وسلم. Alors volontairement, il posait sa bouche à l'endroit où j'avais bu. Alors volontairement, il posait sa bouche à l'endroit où j'avais bu, puis il buvait. Naam. Jusqu'à la fin du hadith, rapporté par l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avez donc le meilleur des comportements. Si vous voulez voir le meilleur des exemples qui est connu, l'humanité, dans le comportement, de manière générale et plus spécifique avec ses épouses, il n'y a qu'à étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'homme le plus doux, alayhi salatu wa sallam. Ajoutons à cela que c'était l'homme le plus doux et le plus tolérant, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, toujours, radiallahu anha, nous raconte que lors d'un voyage, arrivée à un endroit qui s'appelle Turban, elle a égaré un collier que sa sœur Asma, radiallahu anha, lui avait prêté. Et c'était durant la nuit. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a retenu le camp. C'est-à-dire l'ensemble des croyants ont attendu pour une seule femme et son collier. Vous visualisez la scène? Et ils osent dire, et ils ont le culot de dire, sans aucune pudeur, que l'islam a opprimé et avili la femme. Une communauté entière qui attend pour une femme, naam, pour un collier. Elle nous dit, j'ai donc retenu le prophète alayhi salatu wassalam et on s'est mis à la recherche de ce collier jusqu'à ce que le fajr arrive. Falaqitu bi, falaqitu min abi mallahu bihi ali. Min at-ta'nif wa at-ta'fif. Voyons ce qu'a fait Abu Bakr lorsqu'il a su que la cause de tout cela était sa fille. Il est venu. Et le prophète alayhi salatu wassalam se reposait. Il avait sa tête sur Aïcha radiallahu anha. Et Abu Bakr faisait des remontrances à Aïcha et il lui faisait ça avec son doigt. Vous voyez, lorsque vous parlez à la personne et que vous lui faites ça. Mais comme il y avait le prophète alayhi salatu wassalam sur elle, elle a été beaucoup plus préservée que s'il ne l'était pas. Rien ne l'a sauvée si ce n'est qu'elle avait le prophète alayhi salatu wassalam sur elle et Abu Bakr détestait. Naam, réveiller le prophète alayhi salatu wassalam. Elle raconte, elle dit, j'ai donc reçu de la part de mon père ce que seul Allah sait, comme remontrance, comme blâme. Ensuite, que s'est-il passé? Allahu Akbar. Il lui a dit à chaque fois, tu es la cause d'un problème. Naam. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé quel verset? Quel verset Allah Azza wa Jalla a révélé des suites de cette épreuve? Il y a eu la prière du Fajr. Et les musulmans n'avaient pas d'eau. Alors les gens venaient voir Abu Bakr. Tu vois ce qu'elle a fait à Aïcha? On n'a pas d'eau, c'est la salat, comment on va faire? Allah Azza wa Jalla a révélé ayat et tayammum par la cause de Aïcha radiallahu anha. Alors Abu Bakr est revenu la voir et a dit, j'ai toujours su que tu étais une fille bénie. J'ai toujours su. Inna lakila mubaraka. Vraiment, tu es une fille bénie. De ce malheur-là, Allah Azza wa Jalla a fait sortir quoi? Ayat et tayammum. Et par la cause de Aïcha radiallahu anha, jusqu'aujourd'hui, et jusqu'à proche de Yom al-Qiyam, celui qui n'a pas d'eau, il fait tayammum. Et il fait salat. Et il fait salat. Puis certains ont dit, yani, ça n'est pas la première bénédiction qu'on voit de vous, oh, la famille de Abu Bakr. Barakallahu fikoum. Donc, yani, on a cité ce hadith pourquoi? Pour montrer que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a fait aucune remontrance. Il a bloqué le camp. Tout le monde cherchait. Et à la fin, lorsqu'ils ont levé le camp, vous savez où était le collier? Le collier était sous la chamelle. Allah Azza wa Jalla a qaddar cette épreuve. On a montré le rang d'Aïcha, la baraka d'Aïcha, et on a retrouvé le collier de Asma, radiallahu anhu. Allah Azza wa Jalla a mis une grande baraka par ces deux femmes-là. Aïcha, et l'épouse du prophète, alayhi salatu wa sallam, le meilleur des hommes. Savez-vous, Asma est l'épouse de qui?
Hein? Asma est l'épouse de qui? Ça se voit qu'il manque mes sahabs, certains de mes sahabs du premier rang. Hein? Certains de mes amis du premier rang. Il manque combien là? Toi, comment ça se fait que t'es pas là? Tu reviens? D'accord. T'as failli me manquer. Donc, Asma, l'enfant qui répond à cette question, Naam, on lui donne une chose à la fin du cours qui va le réjouir. Une chose qui réjouit tous les hommes. Asma, c'est... Non, c'est sa fille. Mais nous, on veut savoir, c'est l'épouse de qui? Barakallahu fik. T'as la réponse? Non. C'est la fille de Abu Bakr. Mais moi, je veux savoir, c'est l'épouse de qui? T'as compris ma question? Barakallahu fik. Alors, si toi, tu donnes la réponse, l'intention que j'avais dans ma tête, on la double sur le compte d'un ami du coin. Alors, non, c'est pas l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa sœur, l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Aïcha. Aïcha, c'est la sœur de Asma, sa demi-sœur. Hein? La mère de Aïcha, c'est qui? C'est Umm Rumman. Mais celle de Asma, c'est nous. Alors, t'as la réponse? Tu l'as trouvée tout seul? Sans habit? Dis-moi. Omar, non. C'est pas loin dans le mérite. C'est pas loin dans le mérite. Encore toi? Ali, c'est encore plus proche dans le mérite. Comment? Osman, non. Tu refroidis un peu. Obeid, il s'est réchauffé. Il chauffe. C'est comme ça qu'on dit? Naam. Alors, tu donnes ta langue au crit? Andaman. C'est sans consulter la famille. Hein. Alors, tu as une réponse? Az-Zubayr. Allahumma barik. Tu as trouvé tout seul? Tout seul, parce que je voyais que tu parlais avec le barbu à côté de toi. C'est ton père? Le cousin? C'est la famille? J'ai dit sans aide de la famille. C'était un bon indice de ma part. Hein, j'avais le choix entre faire ses éloges et les miennes, j'ai choisi les miennes. Donc, Jazakallah khairan, bonne, comment est-ce qu'on dit ça? Dites-moi. Bonne déduction. C'était ça l'indice dans le Mubashari. Az-Zubayr. Ibn Umayn, le fils de qui? On double. Sofiane, on double ou pas? Parce que c'est sur ton compte. On double. Si tu donnes le nom du père aussi, on double. Ibn Umayn. Ibn al-Awwam. Je me réjouis pour toi. Taïr. Asma, elle épouse de Az-Zubayr, Ibn al-Awwam. Ses fils étaient comme leur mère. Le subhanallah, des hommes courageux, forts, des rijal, au sens véritable du terme qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Et n'eût été le manque de temps, on aurait parlé de Abdullah ibn Zubayr, de Mus'ab ibn Zubayr et autres, radiallahu anhu. Et certes, la mère, c'est une école, wallah. Naam, donc, où en étions-nous? Pourquoi on a parlé de Zubayr? Parce qu'on parlait de qui? De Asma. Naam, barakallahu alaykoum. Donc, Allah Azza wa Jalla a mis une grande baraka. Le Prophète n'a pas fait de remontrance à Aïcha. Il a patienté, il a enduré. Et là, on est en quel mois? On est en quel mois? Au mois d'août. Et le mois d'août, c'est le mois de quoi? Juillet, août, c'est le mois de quoi? De l'été et des vacances. Et en vacances, le papa, il voyage avec qui, souvent? Avec la maman et les enfants. Et vous êtes quoi? Une grosse épreuve. Hein? Vous êtes une grosse épreuve. Tu sais ça, Ubayd, ou pas?
Peut-être pas toi. Toi, t'es Allah mabarak. Misk al-khitam. Donc, c'est une épreuve le voyage. Hein? C'est une épreuve le voyage tout court. Et le voyage en famille, avec les enfants, avec leur maman et ainsi de suite, c'est une épreuve. Là, tout est réuni. Naam, la femme, elle ne perd rien. Et nous, comment on aide avec, dans le voyage? Qu'est-ce qu'on lui dit? Lorsqu'il faut faire halte, hein? Lorsqu'il faut emmener les enfants, lorsqu'il faut changer s'il y a un bébé, comment les hommes sont? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a perdu un collier. On a bloqué tout le monde. On n'y a pas d'eau pour faire el-wudo. Et il est indulgent avec Aïcha radiallahu anha, jusqu'à ce que ce soit, yani, les gens sont partis se plaindre à qui, si vous remarquez? Ils sont partis se plaindre à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Prophète l'aurait défendu. Ils sont partis se plaindre à qui? À Abu Bakr, son père. Hein? Ils sont partis se plaindre à Abu Bakr, le père. Donc là, c'est un grand moment de sirah. Il y a énormément de science dans ce hadith à tirer, notamment l'indulgence du prophète alayhi salat wa salam. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de modestie avec ses épouses. Et il avait une parfaite compréhension de la psychologie féminine. Maintenant, il y a toutes sortes de faussaires, influenceurs et youtubeurs qui veulent apprendre aux hommes à comprendre la femme en sortant de la voie de l'islam. Or, le prophète alayhi salat wa salam n'a rien omis dans ce thème et dans ce sujet. Hein? Pas besoin d'aller voir des... J'ai oublié comment ils les appellent, des formatrices ou là, des coachs, quoi. Je cherche un mot précis. Allez, ils vont leur apprendre à la vie. J'ai oublié le terme. Subhanallah. Développement personnel. Hein? Dévastation personnelle, oui. Des coachs de développement personnel. Wallahi, tu reprends l'homme, c'est plus un homme. Tu reprends la femme, c'est plus une femme. Ils les détruisent. Ils leur enlèvent ce qu'ils ont de noble, ensuite ils les reconstruisent. La hawla wa la quwwata illa billah. Avec un tas de balivernes, de mensonges, de tromperies, ils anéantissent le bien qu'il y a en ces gens, masakin. Ils se font avoir. Puis l'homme n'est plus un homme, la femme n'est plus une femme. L'homme ne sait plus quel est son rôle, la femme ne sait plus quel est son rôle. Et chacun veut monter sur l'autre et prendre le rôle de l'autre. Et réclame et crie à l'injustice. Il suffit d'étudier la biographie du prophète alayhi salat wa salam. Et vous ferez un grand gain d'économie, ou bien beaucoup d'économie, gain de temps et d'argent. Un jour, le prophète alayhi salat wa salam se trouvait chez Aïcha, radiallahu anha. Et il avait des invités. Et probablement sa fille, l'une de ses épouses, a envoyé un plat. Alors le servant est arrivé. Et il a donné le plat. Aïcha radiallahu anha a dit, de qui vient cela? Et lorsqu'elle a su que ça venait de l'une des épouses du prophète alayhi salat wa salam, elle n'a pas pu contrôler sa jalousie et a fait ce geste-là. Naam, elle a émis une pression de sa main et le plat est tombé, il s'est fragmenté. Le prophète alayhi salat wa salam à ce moment est où? Il se trouve où? Ça a lieu où? Chez lui. Il se trouve où lui? Chez lui. Et il avait qui? Des invités. Imaginez la situation. Hein? Certains hommes en vrai sont doux. Hein? Sont mielleux en vrai. Mais lorsqu'il y a son frère, ou il y a son père, ou son oncle, ou son ami, il dit à son épouse, hey, tu fais pas ça, tu fais pas comme ça, tu fais pas comme ci. Hein? Jusqu'à tu marches pas devant moi, en public, kada. Naam. Alors qu'en vrai, lui marche, il lui tient la main peut-être. Naam. Et on dit pas c'est bien, c'est pas bien. Yani, il montre cette affection-là, cette douceur, et il ne se soucie pas, il marche devant, derrière, à droite, à gauche. Hein, peut-être il est devant avec son téléphone, lui. Hein? Mais là, ça
comment dirais-je, sa fierté se manifeste. Là, le prophète alayhi salatu wa salam est au minimum avec deux invités. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est venu, il a ramassé le plat, il a remis la nourriture. Aïcha est venue, elle s'est excusée, elle a demandé quel était son mada, le dédommagement qui lui serait appliqué. Il lui a dit ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Il lui a dit deux phrases. Il lui a dit deux phrases, deux mots. Et à ses invités, il a dit une phrase. À ses invités, il a dit gharat ummukum. Votre mère a été touchée de jalousie. Il a éteint la chose. Quant à elle, elle est venue vers lui. Elle a eu peur de sa colère. Elle lui a dit qu'elle n'a pas su se retenir, qu'elle a été touchée par le geste de sa coépouse. Et vous comprendrez après pourquoi. Parce qu'elle a fait les éloges de sa fille. Elle a dit, Ma ra'aytu sani'ata ta'amin mith sa fille. Je n'ai jamais vu une cuisinière comme sa fille. Regardez les éloges. Malgré ça, sa jalousie sur laquelle elle a été naturellement mise s'est manifestée. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, tu dois lui donner un plat en échange et cette nourriture en échange. Et il a éteint le problème. Ce problème qui, dans un autre foyer, aurait pu amener à des grosses catastrophes suivies d'un divorce. Non, le prophète sallam a éteint cela. Il a laissé passer, comprenant que ça n'est pas sa base, comprenant que elle manifeste un profond respect, elle est douce, affectueuse, c'est une excellente épouse. Aïcha radiallahu anha. Son épouse préférée même. La divergence n'est qu'avec Khadija. Est-ce qu'une a déjà été mieux que Aïcha? Non. La divergence, elle n'est qu'avec Khadija radiallahu anha, qui probablement est la seule femme au monde, na'am, qui a pu dépasser le rang de Aïcha radiallahu anha. Dans ce, yani auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un exemple de tolérance, c'est un exemple pour le fait de ne pas reprendre pour toute faute, c'est un exemple pour laisser passer, c'est un exemple pour ne pas envenimer la situation. Barakallahu fikum. Et écoutez ce que dit Aïcha. Ma ra'aytu sani'ata ta'ama, ma ra'aytu sani'atan ta'aman mithla Safiya. Je n'ai jamais vu de cuisinière comme Safiya. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته. Elle dit, elle a offert un récipient au prophète sallam avec de la nourriture. Je n'ai pas réussi à me contenir. Vous voyez qu'Aïcha n'a pas débattu. N'a pas dit oui, mais non, elle a reconnu son tort. Et le prophète sallam l'a excusé pour cette jalousie. Barakallahu fikum. Ce hadith rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour chez Aïcha et Zaynab est entrée chez elle sans permission en colère. Puis, elle s'est dirigée vers Aïcha et elle lui a dit certaines paroles. Aïcha s'est détournée d'elle. Elle a laissé passer. Comme le prophète me laissait passer pour elle. N'est-ce pas? Puis elle a regardé le prophète alayhi salatu wa salam qui lui a dit Dounaki fantasiri. Il lui a dit, tu te défends pas? Aïcha a reçu la permission du prophète alayhi salatu wa salam d'aller répondre à Zaynab. Et Aïcha, c'est la fille de qui? C'est la fille de Abu Bakr et de lui, elle a hérité son éloquence. Naam. Alors, elle a interpellé Zaynab. Elle lui a fait face. Et elle lui a tellement parlé dans son visage qu'elle dit que sa salive s'est asséchée sur sa langue. Et Aïcha, elle n'a plus rien trouvé à dire jusqu'à ce que sa salive sèche dans sa bouche.
Le prophète, alayhi salatu wa salam, son visage s'est illuminé de voir que Aïcha, comment est-ce qu'elle a retourné la situation et a dit, c'est vraiment la fille de Abu Bakr. Non, c'est vraiment la fille de Abu Bakr. Radiallahu anhum. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de nuit, Aïcha radiallahu anha de retour, elle lui a fait ce geste-là. À son retour, elle lui a fait ce geste-là. Le prophète avait de beaux cheveux, tantôt qui arrivaient. Il avait deux coupes de cheveux en général. Une qu'on appelle limma, une qu'on appelle wafra. Il s'agit de la longueur des cheveux. Une qui atteint le lobe des oreilles, une qui atteint l'épaule. Et elle, qu'a-t-elle fait? Elle a passé sa main dans les cheveux du prophète, alayhi salatu wa sallam. Les enfants, la question n'est pas pour vous. Derrière, pourquoi est-ce qu'elle a fait cela, radiallahu anha? Les hommes mariés. Pourquoi Aïcha, radiallahu anha? T'es pas marié, toi? Ah, tu t'étires. Allahu Akbar. Vous allez dire, on se croirait au Yémen. Le jeune homme, t'as quel âge, jeune homme? 12 ans. En fait, il a fait ça. Et j'ai cru qu'il y a un livre qui levait la main. Je dis, ah, mashallah. Taïb. Donc, Endaman, qui répond à cette question? Namakhana. Comment? Non, c'est trop subtil pour nous, ça. Le frère, il a dit, elle voulait voir s'il avait pas d'autres cheveux. Non! Ça, c'est trop loin. J'avais même pas pensé à ça. Subhanallah. Endaman, akhana. Pour voir s'il s'était lavé. Naam. Pour voir s'il s'était lavé. Donc. Alhamdulillah, c'est une conférence audio. Donc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Awaqad ja'a shaytanuk. Est-ce que ton shaytan est venu? Et elle lui a répondu, mais est-ce que moi j'ai un shaytan au message d'Allah? Il lui a dit, oui, on a tous un shaytan avec nous. Elle lui a dit, et toi t'as un shaytan? Il lui a dit, oui, même moi j'ai un shaytan. Walakin, a'anallahu alayh. Mais Allah m'a aidé sur lui, fa aslam. Alors je suis à l'abri, ou bien il s'est converti. Allez, on peut le traduire en disant, alors, je suis face à lui en sécurité, ou bien, mais il a embrassé l'islam. Naam, rapporté par l'imam Muslim. Un phénomène sociétal, une question majeure à cette époque. Omar ibn al-Khattab, que vous connaissez tous, tant pour sa justice, sa justesse, que sa rigueur et sa miséricorde, nous dit « Kunna ma'ashara Quraysh, naghlibun nisa. » فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, nous les Quraysh, on était un peuple patriarcal. Allez, c'était les hommes. Vous comprenez? Quand on est parti à Médine, on a trouvé des femmes, hein, qui montaient sur les hommes. Vous avez compris ou pas? À Mecca, c'était Quraysh. Et les gens de Quraysh, c'était le patriarcat. Et quand on est parti à Médine, on a trouvé des hommes qui battaient les hommes, des femmes qui battaient les hommes. Anibat, dans le sens qui avait le dessus. Non, mais c'est relatif. Et j'ai pas dit tout est relatif, comme on pourrait dire. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle est erronée, il y a une faute dans le tawhid. Tout est relatif, ça veut dire tout est sujet à une remise en question et au doute. Tout est relatif, ça veut dire ça. Or, est-ce que Allah c'est relatif? Non. Afillahi shakkun. Y a-t-il un doute sur Allah? Non. Donc l'expression tout est relatif, c'est une erreur dans l'aqida. Tout est relatif, c'est une erreur dans l'aqida. C'est pas une simple erreur.
C'est une erreur dans l'aqida. C'est pas tout qui est relatif. Mais certaines choses le sont. Effectivement. Et du fait qu'elles les fréquentent, elles ont commencé à les affecter. Un jour, mon épouse m'a mis en colère. Alors, je lui ai fait des remontrances. Faraja'atni. Et elle m'a répondu. Et pour Omar al-Khattab, pour Quraysh, ça c'est une chose kabira. Hein? Ça c'est une chose qui est grande. Chez Quraysh, chez d'autres, chez nous. Hein? C'est des choses qui, c'est une chose qui est grande. Puis l'épouse d'Omar al-Khattab lui a dit, mais qu'est-ce qui te pose problème au juste? Est-ce que tu me blâmes parce que je t'ai répondu? Il lui a dit, oui, il ne te convenait pas de le faire. Qu'a répondu l'épouse d'Omar al-Khattab? Fawallahi, inna azwajan nabi sallallahu alayhi wa sallam la yuraji'nahu. Wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layl. Elle a dit, je jure par Allah, que les épouses du prophète alayhi sallat wa sallam parfois lui répondent. Et il arrive même que l'une d'entre elles se permette de ne pas lui adresser la parole jusqu'au soir arrivé. Et Omar al-Khattab, c'était un homme pieux. Dès qu'on lui disait, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait. Hein? Il répondait pas, oui mais. Comme certains. Oui mais, oui mais. Tout ce que tu lui dis, oui mais, oui mais. Hassan a fait ça, oui mais, c'est notre époque. Les épouses, oui mais, les femmes, c'est papa. Subhanallah. Toi, tu as dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ensuite tu dis oui mais. Il n'y a pas oui mais. Naam. Donc, quand Omar ibn Khattab a entendu ça, il a dit, fa afzani dhalik. Ça m'a effrayé quand j'ai entendu ça. Vous pensez qu'il parle de lui? Non. Il a pensé à sa fille Hafsa, l'épouse du roi Salem. Quoi, ma fille répond au roi Salem? Il a pris ses affaires, il est parti chez Hafsa. Il a pris ses affaires, il est parti chez Hafsa. Ya Hafsa. Ay Hafsa, oh Hafsa. Atughadibu ihdakunna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawma hatta al-layl. Est-ce que l'une d'entre vous ose mettre en colère le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la nuit? Elle a répondu oui. Il lui a dit, qad khibti wa khasibt. Tu as perdu et tu es anéanti. Si tu mets en colère le prophète sallam, n'as-tu pas peur qu'il se mette en colère contre toi, qu'Allah se mette en colère contre toi? La tastakthiri nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa la turaji'i fi shay. Ne demande plus rien au message d'Allah. Ne l'alourdis jamais et ne lui réponds jamais. Et ne le boycotte jamais, ne t'éloigne jamais de lui. Et dès que tu as une chose à demander à partir d'aujourd'hui, tu me la demandes à moi. Hein? Demande rien, demande pas de dépenses. Au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'aujourd'hui, tu me demandes à moi. Et il a conclu en disant, vraiment, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui peut dire ça. Et que la jeune fille que tu vois à ses côtés, ne te pousse pas à mal te comporter par jalousie. Naam, c'est-à-dire, on sait qu'Aïcha, c'est sa préférée. Mais pour autant, ne dépasse pas les limites. Ne dépasse pas les limites. Et ce hadith est dans Sahih al-Bukhari. Un jour, Abu Bakr, radiallahu anhu, a demandé la permission d'entrer chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a vu qu'on avait donné la permission à personne. Quand il est entré, il a trouvé le prophète, alayhi salatu wassalam, assis. Dans le silence, et ses épouses autour de lui. Ensuite, Omar ibn Khattab est venu à trouver la même scène. Alors, il a demandé la permission d'entrer, on l'a lui accordé. On l'a lui accorda. C'est comme ça? Voyez. Lorsqu'il est entré, il a vu que la situation était tendue. Et de par son intelligence, il a reconnu une situation problématique, familiale problématique. Vous savez ce qu'il a dit? Allahu Akbar. Yani vraiment l'amour qu'ils avaient pour le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est bouleversant. Il a dit,
La aqulanna shay'an udhiku an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Assurément, je dirai une chose qui fera rire le messager d'Allah. Il a vu le prophète comme ça, il n'a pas aimé. Il s'est dit, je vais lui dire une chose qui va le détendre, qui va le faire rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, لو رأيت بنت خارجة, si tu avais vu mon épouse, yes, elle n'a ni nafaka, alors qu'elle me demandait de l'argent pour les dépenses. Naam, comment est-ce qu'on va dire ça en français? Yani, l'argent pour faire les courses, par exemple, ainsi de suite, c'est ça? Est-ce qu'il y a un terme spécifique? Donc, c'est que vous, mashallah, on vous demande pas grand chose. Donc, ô messager d'Allah, si tu avais vu mon épouse, alors qu'elle me demandait l'argent pour les dépenses du foyer, alors je me suis levé, naam, فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا. Elle a dit, par exemple, ô mon époux, allez, donne-moi de l'argent pour acheter ça, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Alors, Ibn Khattab dit au prophète, sallam, si tu m'avais vu quand elle m'a demandé ce que je lui ai fait, je me suis levé, je l'ai attrapé par le cou. Vous voyez, lorsque on plaisante entre nous et tu mets tes mains, tu resserres l'étau autour du cou de la personne et tu la secoues pour plaisanter. J'ai oublié de répéter pour plaisanter à deux reprises. Naam, parce qu'on est en 2020, combien? 2024. Et il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc, je précise pour plaisanter. Fadahikanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire. Et ça, c'était le but recherché par qui? Par Ibn Khattab quand il a dit cela. Naam. Alors, le prophète a dit, et comme tu vois, hunna hawli yas'alnani an-nafaqa. Subhanallah. Ibn al-Khattab a fait cette plaisanterie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Eh ben, yani, comme on dirait en français, tu crois pas si bien dire. Les voici autour de moi et toutes sont là pour me demander les dépenses. Alors, Abu Bakr s'est levé. Il s'est dirigé vers qui? C'est le père de qui, Abu Bakr? De Aïcha. Il l'a attrapé par le cou et l'a secoué. Ibn al-Khattab, il a vu ça, il est parti, il a attrapé Hafsa et l'a secoué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire. Naam, jusqu'à la fin du hadith. Regardez cette situation. Et ils ont dit chacun à leur fille, vous demandez au prophète ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne possède pas. Naam, elles ont essayé de se défendre. Mais non, on ne lui demande pas, sauf ce qu'il a. Et Allah Azza wa Jalla a révélé le verset Suratul Ahzab, ya nabi ukulli azwajik. Au messager dit à tes épouses, en gros, il donne leur le choix. Si vous voulez rester, moi, ma situation, c'est celle-ci. Et sinon, je vous libérerai de la meilleure des manières. Hein? Même dans la séparation, le prophète sallam dit quoi? Sarahan Jamil. Hein? Allah lui ordonne de dire de la plus belle des manières. C'est le meilleur des époux. C'est le plus noble des caractères, des comportements vers son épouse. Et même si divorce, il doit y avoir, eh ben, ça se passera même ça dans l'excellence. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les foyers musulmans? Est-ce que c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un divorce? Non. Les gens sont déjà en train de faire des coups. La fille, elle est avec sa mère, peut-être en train de réfléchir. On peut lui prendre ça, on peut lui prendre ça, on peut lui prendre ça, on peut lui prendre ça. Et l'homme, il est en train de dire, je peux cacher ça, je peux cacher ça, je peux cacher ça. Non. Allah Azza wa Jalla dit, n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah Azza wa Jalla réforme les foyers des croyants. Quand sallam a donné, a dit à Aïcha, j'ai une chose à te dire. Allah Azza wa Jal vous donne le choix, je vous donne le choix. Et je te demande de réfléchir et de ne pas répondre avant d'avoir consulté tes parents. Elle lui a dit, ya Rasulallah, pour toi je vais consulter quelqu'un? Regardez la phrase de son épouse, comment elle rentre dans son cœur sans permission. Ya Rasulallah, pour toi je vais demander à mes parents. Hein? Elle lui a dit, ya Rasulallah, j'ai une chose à te demander. Ce que tu m'as demandé, ne le demande pas à tes épouses. Naam, ne le demande pas à tes épouses, jusqu'à la fin du hadith dans Sahih Muslim. Une histoire des plus étonnantes dans le recueil de l'imam Muslim. Si vous voulez voir le comportement du prophète alayhi salat wa salam, même lorsque l'épouse est en tort, un jour, Mohammed ibn Qais ibn Makhrama a dit, voulez-vous que je vous raconte une histoire que m'a raconté ma mère?
Les gens lui ont dit oui. Ils ont pensé que c'était sa mère qui l'a enfanté. Mais en réalité, il a dit un jour, Aisha radiallahu anha m'a dit. Donc, par la mère, il entend qui? La mère des croyants, Ummul Mu'minin. Vous savez, c'est qui? Ummul Mu'minun. Ummul Mu'minin, lorsqu'on dit Ummul Mu'minin, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les mères des croyants, c'est qui? C'est les épouses du prophète, alayhi salatu wa salam. Vous avez compris, les hommes? Je dis plus les enfants, vous êtes trop grands pour être les enfants. Hein? Barakallahu fikoum. Vous avez trop de science pour être des enfants maintenant. Donc, on les appelle les mères des croyants parce qu'elles sont dans la considération et le profond respect qu'on leur attribue comme les mamans. Vous avez compris? La deuxième sagesse, c'est qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de les épouser car elles sont ses épouses où? Au paradis. Barakallahu fikoum. Donc, Aïcha radiallahu anha nous dit, combien de temps reste avant? Dites-moi les frères, avant salat, 3 minutes. Oui. Donc, Aïcha dit un jour, une nuit, le prophète sallam est rentré et il a déposé ses vêtements, il s'est déchaussé et il a mis ses vêtements sur le bord et plus tard on s'est allongé. Et lorsqu'il a pensé que je m'étais endormi, il s'est levé. Il a enfilé ses vêtements et a chaussé ses souliers. Il a ouvert la porte, puis il est sorti. Alors je me suis levé tranquillement, j'ai mis mes vêtements, j'ai mis mon voile sur ma tête, je me suis couverte et je suis sorti à sa trace. Je suis allé à sa trace. Jusqu'à atteindre El-Baqir. C'est quoi Al-Baqir? Vous deux. C'est quoi Al-Baqir? Comment est-ce que tu t'appelles? Tu peux parler plus fort, jeune homme? Comment est-ce que tu t'appelles? Masmouk. Ilyes? Et toi? Soufiane. Ilyes et Soufiane. Qu'est-ce que Al-Baqir? Soufiane a fait une chose que je n'avais jamais vue avant. Il a fait tourner ses yeux 360 degrés. Il a cherché là. Après, il a cherché là. Après, il a cherché là. Après, il a cherché là. Arrivé à la base, il a dit, je sais pas. J'essaierai ta méthode, Soufiane. Elle fonctionne avec toi parfois? Afidakallah. Allahumma barik. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Tanger les Tangérois? C'est ça? Tu as la classe tangéroise. Naam, comme tes frères. Allahumma barik. Donc, Al-Baqir, c'est quoi, tu sais pas? Encore toi. T'as la réponse? Même toi, t'as pas la réponse. Même toi. Toi avec la casquette. Non plus? Toi, t'as la réponse? Ubayd. Vas-y, Ubayd. Allahu Akbar. Ubayd, il a gagné quoi, Ubayd? Il est obligé de gagner, Ubayd. Hein? Avec un nom comme ça, Allah Mabarak. Ubayd, ça veut dire le petit serviteur d'Allah. C'est magnifique. Comme t'es tout petit, tout mignon, t'es le petit serviteur d'Allah, Azza wa Jalla. Mais Inch'Allah, t'es grand, cher Allah. Donc, c'est le cimetière de Médine, proche de la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Il est parti, il s'est rendu au Baqir. Puis, il a levé ses mains et a fait dua. À 3 reprises. Puis, il s'est tourné. Visualisez la situation, elle est sortie en cachette. Elle le suit dans la pénombre. Le prophète a fini. Il se tourne, elle se tourne. Il avance, elle avance. Il accélère, elle accélère. Il court, elle court. Elle le devance, elle rentre chez lui, elle rentre chez elle, elle s'allonge. Juste après, il rentre. Mais quand on court, Qais, que se passe-t-il? On court et on s'arrête subitement. Il y a des effets de cette course ou pas? Qu'est-ce qui se passe? On entend le souffle, la personne est essoufflée. Alors, le prophète sallam rentre et il entend Aïcha qui est essoufflée. Il lui dit, Ya Aïcha. Hein? Ya Aïcha. Oui, au messager d'Allah. Elle a pas fait semblant, elle peut pas mentir. Hein? C'est Aïcha radiallahu anha. Il lui dit, Ya Aïcha. Et remarquez qu'il, est-ce qu'on, on appelle ça un diminutif? Quand on enlève la fin, on peut dire un diminutif, c'est ça?
Donc, il l'a appelé par ce diminutif qui, les savants disent, ça montre al-atf ou al-atifa, al-lutf, ça montre la, l'affection, la douceur, la miséricorde. Naam. Et si t'arrives au tribunal, hein, c'est l'endroit de la rigueur, c'est l'endroit de la sentence, n'est-ce pas? Mais si avant de te juger, on te dit, oh mon petit Ubayd, hein, ça fait quoi? Allez, tu te détends et tu vas répondre. D'accord? Tu te détends et tu vas répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Aish, est-ce que c'était toi la l'ombre noire que j'ai vue, l'ombre que j'ai vue dans la pénombre? Elle a répondu, Yani lui a dit d'abord, que t'arrive-t-il? Elle a dit, la shay, rien au messager d'Allah. Il lui a dit, la tukhbirini aw la yukhbirani latif. Al khabir, soit tu m'informes, soit celui qui est parfaitement informé des choses subtiles m'informera. Elle a répondu, il lui a rappelé les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Elle a répondu, Ya Rasulallah, je donnerai mon père et ma mère en rançon pour toi, je vais t'informer. Elle a dit, oui. Il est venu, il lui a fait ça, jusqu'à ce qu'elle ait senti la pression. Et il lui a dit, tu pensais qu'Allah et son messager auraient pu ne pas tenir l'engagement envers toi? Elle a répondu, quelle que soit la chose que les gens cachent, Allah le sait. Elle a dit, oui, c'était moi. Il lui a dit, mais Jibril m'est venu. Et lorsqu'il a su que tu étais là, en tenue de sommeil, il ne s'est pas permis d'entrer auprès de moi. Et moi, j'ai détesté sortir en te réveillant et te laissant seul. Naam. Et que tu sentes la solitude après mon départ. Regardez le adab du prophète, alayhi salatu wassalam. L'homme, lorsqu'il va dans un endroit, est-ce qu'il doit se justifier à son épouse ou pas? Est-ce que l'homme a des comptes à rendre à son épouse ou pas? Vous n'avez pas eu la permission de répondre? Ah, ça passe en direct, j'avoue. J'ai failli oublier. Toi, Ubayd, t'es pas dans nos problèmes. Tu réponds avec courage. T'es même pas dans les problèmes, Ubayd. Donc, Maada, il lui a dit, j'ai détesté te réveiller et j'ai eu peur que si je sortais en te réveillant, tu te sentes seul après mon départ. Naam. Prophète sallam lui a dit ce qui allait tranquilliser sa poitrine, l'apaiser. Et Allah Azza wa Jal lui a ordonné de me transmettre, de me rendre au Baqir pour invoquer le pardon d'Allah en leur faveur. Aisha radiallahu anha, même dans cette situation, elle a dit à Rasulallah, et comment est-ce que je dois dire si je fais dua pour eux? Hein? Comment je dois dire si je fais dua pour eux? Il lui a enseigné la dua à dire assalamu ala ahli diyar min al-mu'minin wal-muslimin, yarhamullah al-mustaqdimina minna wal-mustaakhirin. Wa inna inshallah bikum la lahiqun. Il y a une opel qui gèle immatriculée en Espagne. On s'arrête sur cela pour aller faire la salat et on reprend Mada. On reprendra ce sujet. On reprendra ce sujet demain, inshallah ta'ala. Naam, parce qu'entre le Maghrib et l'Isha, il y aura un autre sujet. Donc ce sujet-là. Ou bien je vous consulte. Est-ce que vous souhaitez qu'on le finisse ce soir et on décale l'exhortation sur la mort à demain? Naam. Est-ce que vous préférez cela? Vous avez reçu des messages? On finit le sujet, Inch'Allah. On finit le sujet et on décale l'exhortation à demain. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.